Minecraft. Et y'a que coucou, bien bonjour tout le monde, salut. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 2 sur Close Call. J'ai fait un petit sondage sur Twitter et a priori vous étiez partant pour l'épisode 2. Eh ben on va faire l'épisode 2, on va voir si on va être aussi doué qu'avant. Ce que je ne garantis pas. J'ai des retoqués, ça commence bien. On est parti pour peut-être la fin de la map, j'espère, hein, parce que le premier épisode était, comment dire, quelque peu chaotique. Donc on est parti pour l'épisode 2. Ça risque d'être rigolo. Surtout si je peux pas sauter. Je vais peut-être baisser ma FOV. Parce que ça me... Quand il y a le speed, en fait, ça me perturbe. Mais je suis à peine un pas de côté et je dé... J'étais si bien parti. Je sais pas du tout si on a la fin. Auquel cas, si ça dure 5 minutes, c'est pas grave, j'irai faire des petits trucs sur serveur, mais voilà, on va essayer de faire en sorte que ça dure plus de 5 minutes. En tout cas, j'ai l'air de sprinter correctement sur les trucs. Hop là, nickel. Ok, donc là, j'ai plus de FOV, et ça me perturbe. Du coup, faut que j'en remette. Le premier épisode vous a bien plu, malgré mon shit totalement... totalement présent et ma petite rage, on va dire, totalement présente également. Mais c'est pas grave, si ça vous a plu, si ça ne vous a pas dérangé, moi je continue. Jump Machine, version 10, utiliser use your own risk. En gros, démerde-toi, c'est ton problème si jamais tu te trompes. Ok. Bon. Heureusement que je suis en créatif, parce que je pense que sinon, en survival, je m'éclaterais. D'ailleurs, on va le faire en survival, ça, parce que ça m'a quand même l'air d'être un minimum survival. On va faire la descente en survival, parce que je pense qu'il faut éviter de se tuer, justement. Mais comme il disait dans la description de la map, pour ceux qui ont été regardés, justement, cette description de map... c'est dommage qu'il ait fait ça en survival, parce que bah du coup on peut crever en fait, et les checkpoints sont pas vraiment très très bien placés. Regardez là je perds beaucoup de vie et on est obligé d'attendre que ça remonte, ce qui est plutôt chiant, hein. Bon, ça remonte vite, ça va parce qu'on est en peaceful, mais c'est carrément chiant si on veut descendre ça rapidement. Là par contre, là du coup, si je saute, je pense que je meurs. Bon, j'ai un peu de vie, donc voilà, on va attendre que ça remonte au moins à la moitié pour continuer la descente. Pour continuer la descente. Enfin voilà. Normalement, cette vidéo sort en décembre. Le 2, si je me trompe pas dans mon calendrier Maya. Donc voilà, joyeux décembre à tous. Et puis c'est bientôt Noël, accrochez-vous. J'espère que vous allez passer un bon mois de décembre, en tout cas. En espérant qu'il y ait un petit peu de neige, parce que la neige, c'est toujours rigolo. C'est toujours sympa, à part pour les transports. Enfin, ça dépend. Il y a les pour et les contre. On va dire que quand on est jeune collégien ou début lycée et qu'on doit prendre le bus, pour ceux qui habitent là où il n'y a pas de métro, et qu'on doit prendre le bus, enfin même là où il y a des métros, parce que moi je prends le bus aussi maintenant pour aller en cours, on va dire que c'est plutôt cool parce que tout simplement les bus ne circulent pas tous ou ne circulent pas du tout. Oui, je finissais mon verre de coca, donc j'en suis navré, mais... Ah, mais il y a du slime, là. Donc, j'aurais pu faire toute la descente, en fait. Ok. Checkpoint 5 meters. Ok, donc le checkpoint est juste au-dessus. Les bus, c'est sympa. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, secret room numéro 3. Je ne sais pas pourquoi je fais ces chambres, ces pièces. Je devrais arrêter. Oh, une selle! Lui, il a de la chance, au moins il a des donjons dans sa map. Moi, je n'en ai pas.
Oui, pourquoi il fait ses chambres? Si je tombe, je peux rien faire. Ah si, je peux remonter. Il y a des tableaux. Ouais, ça sert pas à grand chose. C'est un petit côté décoratif. Je sais pas pourquoi je continue. Ouh. Ouh, ouh. Ouh, ouh, ouh. Sexy. Et comment je fais pour y aller? Comme ça? Haha. Rest in pieces. Ok, c'est juste. Ok, ça ne sert à strictement à rien. Donc je disais. Oh, il y a du diamant, j'avais pas vu. Je disais. Quand il y a de la neige, c'est sympa parce que quand on est étudiant, jeune étudiant, on est content parce que les bus ne passent pas. Et du coup, c'est l'excuse parfaite pour ne pas aller en cours. Et je dois vous avouer que moi, étant jeune, j'en ai abusé, hein. Si je me souviens bien, en seconde, quelque chose comme ça. Non, en première. En première, je me souviens qu'il y a eu une journée. C'est la salle secrète, ça. En première, j'avais fortement abusé d'une journée où il avait commencé à neiger à gros flocons, mais ça n'avait pas tenu. Et pourtant, ça ne m'avait pas empêché. Ça ne m'avait pas empêché de ne pas y aller sous prétexte que je vais perdre mon stuff, ce qui est très dommage vu que je viens de le récupérer. Sous prétexte que on sait jamais si la neige tient, il n'y a plus de bus. Donc si la neige tient et qu'il n'y a plus de bus, bah, je peux pas rentrer chez moi. Donc dans le doute, bah je vais pas prendre le bus. Et du coup toute la journée il neigeait mais ça tenait pas. Et dans le doute, et eh ben je n'allais pas en cours. J'étais vraiment un gros flemmard déjà à l'époque. Hein. Les cours et moi, ça faisait. Ça... On va dire que les cours et moi, ça a fait deux depuis. Putain, je peux même pas me sauver quoi. Si je tombe, c'est mort. Les cours et moi, ça fait deux depuis la troisième, je dirais. Ouais, depuis la troisième. Je suis pas quelqu'un qui aime les cours, on va dire. Le côté scolaire, ça me sort par les trous de nez, on va dire. Et du coup, quand il y avait de la neige, bah, j'étais bien content. J'étais bien content. Ça me faisait l'excuse parfaite pour ne pas aller en cours. Mais ne faites pas pareil que moi, je ne suis pas un exemple à suivre, il y a des jeunes qui regardent mes vidéos. Allez en cours, c'est bien les enfants, même s'il y a de la neige, bravez tous les dangers, quitte à rentrer à pied, comme on dit. Personne ne dit ça. Hop, tout le monde dit, ouais, il y a de la neige, on va pas en cours. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez. Non, je crois qu'il y avait une salle secrète, mais pas du tout. Il n'y a pas un endroit plus raisonnable pour sauter? Bah pas du tout. Faut sérieusement sauter là-dessus? Je suis pas prêt d'avoir fini, moi je vous le dis, hein. Je pense surtout que je vais me remettre en créative. Parce que sinon, ça va me faire chier de mourir à volonté. Et moi, je ne veux pas crever. Je veux juste la, je veux juste la terminer. Cette map, j'ai reçu un Snapchat. Du coup, je vais le regarder pendant que je suis en train de tourner. Ça ne me dérange pas. Hop, on s'en fout. C'était totalement useless. Ça me gratte. Ça me gratte l'entre-moustache. Hop. J'en ai marre de cette map. Les maps sont tellement. Les maps sont tellement nulles. Faites-moi des maps. J'ai vu que dans les commentaires de la dernière vidéo, du dernier épisode, enfin du premier épisode de Close Call, certaines personnes m'ont dit, ouais, on va faire les maps. Allez, on va les faire. Donc faites-moi des maps aventure. Faites-moi des maps aventure et peut-être que j'y jouerai avec des joins. Si vous faites des maps multijoueurs, exclusivement multijoueurs, genre. Genre sur un thème avec un youtubeur particulier de ma connaissance et que vous savez que je peux l'inviter, et ben allez. Allez-y! Faites des maps aventure à thème. Faites des maps aventure qui valent la peine d'être jouées. Regardez mes anciennes vidéos avec d'autres youtubeurs pour savoir un petit peu le type de map qui est sympa à faire. Allez-y, n'hésitez pas, moi je suis ouvert à toute proposition, vous pouvez ensuite me les proposer sur Twitter ou dans les descriptions. Et plus de coca.
dans la description de cette vidéo. Putain, c'est pas vrai. Je crois qu'on va se mettre en mode créa. Ça va être beaucoup plus simple que... Beaucoup plus simple pour moi. Ok. Voilà. Comme ça, si on tombe, eh ben on remonte magiquement par les pouvoirs qui me sont conférés par la grande confrérie Azotech. J'ai combien de FPS? 160 FPS. 150. J'ai toujours l'impression d'avoir quand même des petits ralentissements. C'est bizarre. Ah, pourtant, j'ai 100 FPS. Mais ça doit être dans mes... ça doit être ma vue qui se trouble. Alors. Ah! Faut sérieusement faire ça. Faut sérieusement... Faut sérieusement faire un mini-saut. Mais c'est pas possible! Alors, calme-toi. Vu qu'on est en mode survival, normalement on est censé pouvoir péter les vitres. Non, il a dit qu'on ne devait pas casser de bloc. Il y a sérieusement moyen d'exécuter ce saut. En une fois, hein, c'est-à-dire après avoir fait le parcours juste avant. Hein. Bien sûr, c'est tout à fait faisable. Cette map est faisable pour les joueurs ayant un niveau lambda, pas trop mauvais. Alors je me considère pas comme quelqu'un de mauvais. Je me considère pas comme quelqu'un d'excellent. Mais là il faut carrément être... un pro du jump. Ok, fuck you. J'ai réussi. Hop là, par la magie du Saint-Esprit. Voilà. Voilà, ça on peut pas le faire non plus. Il y a du diable. Oh, il y a du diable. Ok, alors... Voilà, oh j'ai réussi. Look around. Regarde autour de toi. Ok. Merci. Je vois de la lave, effectivement. Je vois qu'il y a des échelles. Je me casse, si je pouvais sortir de cette mine, ça serait sympa. Hi. Hi. Hello. Et donc... Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Et donc, hi. Ok. Genre, faut sauter sur les barrières là-bas. Pas du tout. Comment? Non, faut sauter. Faut sûrement sauter en face. Mais c'est possible? Ah, attendez. Parce que je pense que le chemin, faut le faire là et on sort par l'autre côté. J'arrive pas à sauter! J'arrive pas à sauter! Salut. Salut, ça ne sert à rien. J'ai du mal à comprendre la suite de la map là. Attendez, il faut... Ah ok, il y a l'échelle qui est juste là. Sérieusement? Sérieusement? Mais c'est pas possible! Je comprends pas. Je dois vous avouer que là je... Alors attendez. C'est pas un pixel possible ça. Non, c'est pas un pixel où on peut se mettre. Je comprends pas du tout. Genre ici? Je comprends pas. Ah! Ah ah! Ah, voilà, il est dedans! Sérieusement. Cette map est pour niveau tout joueur. Hein, je le répète, encore une fois, elle se finit entre 30 et 45 minutes. Oh, j'ai réussi. J'ai réussi, je ne sais pas comment, mais j'ai réussi. On continue la map. On ne s'arrête pas en si bon chemin. Merde. Ok, parfait, nickel. Je ne sais pas à quoi servait du coup l'échelle pour monter juste en haut, juste pour voir le... Hi!
Ça ne servait strictement à rien. Je vais finir cette map en mode créatif, sinon ça va me saouler. Cette map a à peine la moyenne au niveau des maps de jump. Les checkpoints, regardez. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de checkpoint depuis tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on est censé faire ça sans checkpoint. Sans se louper. Sans tomber dans la lave et sans mourir. Comme je viens de le faire. Alors, je veux bien qu'il y ait des gens très forts en jump. Je veux bien qu'il y ait des gens qui s'acharnent. Mais non, tout simplement, non, ce n'est pas possible. Oh, c'est trop gentil, une checkpoint, moi, shine. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, on a mis des barrières, quoi, tellement ils s'en battaient les couilles. Ok. Tellement ils s'en foutaient, il a mis des barrières. Boum, pout, boum, pout, boum, pout. J'ai bien peur qu'il faille monter tout en haut. Et j'ai bien peur que ce soit quand même vachement complexe. DA cube! DA... Oh le fils de chien! Oh le fils de chien! J'ai réussi le DA cube, le DA coudre, putain. Heureusement que j'étais en mode créa. Ah! Ouh, mais c'est vachement vilain ça ce qu'il a fait. Bonjour. Oh l'enfoiré! C'est bien joué ça, j'avoue, c'est pas mal. C'était pas mal joué de sa part. Hop. Alors. Moi je suis le chemin. Je suppose qu'il faut monter tout en haut. Hop. Oh là là. Okay. Je vais dire quel talent, mais pas du tout. Hop. C'est complexe ça comme map. C'est vachement complexe. Comment on fait? Avec un petit saut. Ouais, ça passe. Hop là, nickel. Ouh, pardon. Oup, 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 oup. Doucement, 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 doucement. Doucement, j'allais. Yay! C'est vachement ça. J'ai du mal. J'ai l'impression vraiment que j'ai des coups de lag. Faudrait que l'écran n'est pas très très fluide. Alors que pourtant. Ouais, je tourne à une cinquantaine d'FPS. Donc c'est largement suffisant. Je sens le piège à la con, de toute façon. Merde, j'ai fait un screenshot. Je sens le piège à la con si je descends pas, mais a priori ça monte tout seul, donc pour le moment ça va. Ah ah! Oups, 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 oups. T'as cru que j'étais un bleu? Choose left or right? J'ai pris gauche. Il y avait un coffre là, mais tant pis. Fuck you avec tes pièges. Fuck you. Hop là, allez, droite. Droite. Je fais le bruit du wagon. Hein. Alors, quel est ce bordel? Alors, on va dire qu'on atterrit là normalement, c'est ça? Hop. Ok. On va dire qu'on atterrit là, donc c'est pas par là. Du coup, on doit monter encore. Monte. C'est quoi cette map? C'est quoi cette map? Y a pas de sens! Y'a aucun sens. Et je reviens de l'autre côté. Merde. Comment on fait? Comment que l'on fait pour la suite de cette map? S'il vous plaît, aidez-moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Soit on arrive là, soit on arrive là. Bah ouais, t'es mignon, mais je vais par où moi maintenant? Alors, je pense qu'il faut aller par là. Mais... clairement, le saut n'est pas possible. Je sais pas ce qu'il a foutu dans sa map, ce mec. Peut-être par là. Ah, normalement, on est censé arriver par là. Mais du coup, par là, c'est quoi? Checkpoint machine.
Non, je comprends pas. Ah, on est censé. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, mais le chemin est par ici. Comment, pourquoi, quelle est la magie, cette sorcellerie inappropriée? Je ne sais pas. On est déjà à 20 minutes? On est déjà à 20 minutes, mais c'est pas possible! Le temps passe trop vite! Le temps passe trop vite, on va se dépêcher alors de finir la map. Hop. C'est moi le patron, c'est moi qui finis la map, c'est moi qui dis, c'est moi qui fais. Non, j'ai dit je finis la map. Parce que là, ça fait en tout 50 minutes clairement qu'on est dessus. La map devait durer entre 30 et 45 minutes. Je pense qu'on s'est foutu de ma gueule. Littéralement. Je pense qu'on s'est moqué de moi. On s'est dit. On m'a dit, Neo FRTG, il va faire cette map. Il va se faire avoir comme un. Comme un bleu! Voilà. Oh bah j'ai réussi le saut. Bah, c'est bizarre, tiens, comme par machi. Fuck you. Fuck you. Cette map descend de plus en plus dans ma moyenne de notes. Hop, checkpoint machine 2.0. Hop. Voilà, je suis sûr que c'est les sauts au millimètre près, ça encore. Voilà, j'en étais sûr. Allez, non, toujours pas. J'ai pas de temps à perdre, moi. J'ai deux autres vidéos à tourner. J'ai une chaîne YouTube à entretenir avec des programmes quotidiens à réaliser pour mes abonnés, pour leur faire plaisir. Et même si cette map m'emmerde à temps complet, je vais la finir. Même s'il faut tricher, je m'en contrefous. Je m'en contre Branlux 2000. Yay! C'est bon. Yay! Yay! Je vais tomber. Comment il veut qu'on fasse tout ça d'un coup, quoi? Mais comment il veut? C'est pas possible! C'est même pas. Ça me gratte le nez. C'est même pas difficulté croissante ou quoi que ce soit. C'est difficulté constante là, à ce niveau-là. Putain. Ah, oh, fuck you! Faites-moi des maps, je vous en supplie. Faites-moi des maps qui en vaillent la peine. Faites-moi des maps qui vaillent la peine d'être jouées, pas comme celle-là. Celle-là, elle mérite d'aller dans le fin fond des oubliettes des maps de Jump. Est-ce qu'elle ne met. Je veux bien être de bonne foi et dire que ouais, je suis pas très bon. Ok, pas de soucis, ça je veux bien l'admettre. Que je suis pas forcément très très bon sur cette map. Mais. Avouez que la difficulté est quand même énorme. Et c'est pas forcément un problème que la difficulté soit énorme. J'ai rien contre les maps difficiles. Mais à ce moment-là, qu'ils te préviennent, qu'ils te disent, le niveau est quand même assez élevé. Dès le début, vous allez voir, vous allez galérer, hein. Non, non. Non, non, pas du tout. Non. Là, c'est démerde-toi. Fais toute la map. Et essaye de pas crever parce que les checkpoints, il y en a très peu. Et du coup, si tu tombes, bah tu recommences tout. Voilà. Checkpoints sont quand même vachement nuls. Ouh, par contre là j'arrive à bien gérer. Ouh, le talent. Le talent d'un homme. Ouh, so much talent in my hand. Ouh, allez. Nanana. Ok, je lisais un SMS. Oh! Non! Non! Ah, vous imaginez, j'aurais réussi à faire tout le checkpoint sans tricher, mais au dernier saut, je me suis levé. Alors, combien de temps? On est à 24 minutes, le temps passe extrêmement vite avec vous. J'espère que vous ne vous ennuyez pas, moi je ne vois pas le temps passer. C'est pour vous dire à quel point je suis subjugué par cette map magnifique. On était là-haut tout à l'heure. On aurait pu faire tout simplement un saut de là-haut pour atterrir là. Oui, je pense que c'est possible et je suis vachement optimiste comme mec. Hop là, nickel. Oh là là, je sais même pas comment je fais ça. Je sais même pas comment je fais ça. Je sais même pas comment je le fais, mais je le fais. Ça, je vais me louper, c'est sûr.
So much talent! J'ai tellement de... Oh, je suis trop fort. Je le vois! Je vois la fin! The end! The end! The end! Ouh! Ouh! Toi, dégage. Il y a un petit lapin qui est coincé là. Bonjour, petit lapin. Coucou. Oui! C'est pas le bruit d'un lapin, ça. Hein. Excuse-moi, je m'y connais en lapinage. Bonjour. Allez, salut. Je vois la fin, the end. Il y a un chemin particulier à suivre ou... Ou c'est YOLO. YOLO, you do what you want. And I see the end. Ok. Eh ben c'est nickel. Ça ressemble à rien, ça. Ça ressemble fichtrement à rien. Highway CC 16, finish date. Finish date le 7 juillet 2016. The end. Merci d'avoir joué à Close Call, de rien. Faites-moi savoir si vous voulez une partie 2. Non. J'ai d'autres maps comme celle-ci. Vous êtes libre de jouer. Vous êtes libre d'y jouer. Un briquet, il est gentil. S'il vous plaît, allez voir ma chaîne YouTube, Scolion. Donc si vous voulez aller voir, allez-y. Moi, je n'irai pas voir parce que sa map n'était pas de très bonne qualité. Elle était sympa, je ferais pas mieux. Je ferais pas mieux, mais c'était pas folichon, quoi. J'ai vu d'autres fanfreluchries un petit peu mieux réalisées que celle-là, quoi. Et bordel, ça fait longtemps que je joue à Minecraft. Ah. Vous voyez, même les explosions de TNT, il a pas réussi à faire ça correctement. Il a pas réussi à faire une explosion en chaîne. Putain, quel noob, quoi. Oui, je suis peut-être méchant, je suis peut-être violent, mais c'est pas grave, cette map était pas top, 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 top. Et bah voilà. Et bah voilà, et bah voilà, et bah voilà. En tout cas, j'espère que cette deuxième partie, qui a duré presque 30 minutes également, putain, je suis vraiment nul, vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert, un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez. Je vais faire un screenshot. Non, pas comme ça. Pas comme ça. Histoire de faire la miniature. Hop, un petit screen. Et voilà, c'est parfait. Si la vidéo vous a plu, désolé de vous avoir explosé les oreilles avec ce claque de bonhomme, parce que j'ai des mains, j'ai des paumes de bonhomme. Pouce vert, commentaire, le Twitter, les autres réseaux sociaux dans la description. Je vous fais plein de bisous sur vos fesses et de caresses sur le bout du nez. Portez-vous bien, à très bientôt, gros bisous de grand-mère. Et on se retrouve pour d'autres vidéos très prochainement, sûrement. Voilà, ciao, à la prochaine, bye.